Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Alors que 59,3% des jeunes pousses sondées identifient des occasions d'affaires en lien avec la crise actuelle et que 30% prévoient des embauches dans les prochains mois, les entreprises font face à de nombreux défis pour s'en sortir. Pour faire face à cette épreuve, les entrepreneurs ne sont pas seuls. En effet, cette semaine, Intersection X aborde le sujet du rôle des incubateurs et des organismes de soutien pendant le Covid-19. Au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir comme entrepreneur. Pour continuer cette thématique cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Lessard du MT Lab. Martin est directeur général du MT Lab, le premier incubateur d'innovation en tourisme, culture et divertissement en Amérique du Nord. Des solutions pour la crise, le MT Lab en a. Il continue sa mission en présentant notamment un catalogue de solutions immédiates pour répondre à des besoins précis en collaboration avec d'autres acteurs de la communauté start-up montréalaise. En plus de cela, Martin suit les innovations technologiques depuis une vingtaine d'années et saura nous livrer ses conseils et ses avis sur la situation que nous traversons aujourd'hui. Bonjour Martin, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Émilie, ça va très très bien dans les circonstances. Je pense qu'on peut dire que je vais bien, ouais. J'espère que tout c'est pareil de votre côté. C'est parfait, oui, pour l'instant tout va bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc qui est vraiment le rôle des incubateurs organismes de soutien pendant le Covid, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement le MT Lab? Oui, le MT Lab, c'est un incubateur qui est spécialisé dans une verticale très, très précise, le tourisme, la culture et le divertissement. Peut-être une couleur plus touristique quand même, dans le sens qu'on va aider à faire rentrer l'innovation dans ces trois domaines-là. Notre rôle, en fait, si on comprend ce que c'est un incubateur qui, en général, va aider les idées, aider le prototypage d'une idée et ensuite le faire rentrer sur le marché. Nous, on va s'occuper de la portion finale, l'entrée sur le marché. On veut amener des idées, des bonnes idées, des bons produits à découvrir s'il y a une adéquation dans le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement. Après ça, on les aide à démarrer dans la commercialisation, mais en général, les startups viennent de d'autres incubateurs et ils s'en vont vers des accélérateurs. Nous, on est comme le pivot entre les deux dans le but très, très précis d'amener l'innovation en tourisme, culture et divertissement. Donc, vous êtes vraiment dans la portion très réelle, concrète de la mise en marché d'un projet qui a déjà été designé, modélisé, etc. Moi, je vais commencer avec une première question pour toi. On avait justement à la caméra la semaine passée Jonathan Roussel, qui est un entrepreneur qui est incubé du coup chez vous avec Prologue AI, qui nous disait que au moment justement de l'annonce de François Legault, il était à Paris en délégation avec plusieurs autres entreprises aussi de l'incubateur. Ça s'est fait d'un seul coup avec un impact sur des milliers d'entreprises, cette annonce-là, lui, il l'a ressenti comme un coup de poing, un peu état de choc parce qu'il était à l'international. Quel a été l'impact de cette situation qu'on connaît maintenant depuis 4-5 semaines sur l'écosystème start-up montréalais et peut-être d'autant plus dans le secteur touristique qui a été quand même un des plus sévèrement touchés en premier? Comment ça a été ressenti? Comment ça a été vécu? OK. Bien, évidemment, nous, en plus, en particulier, le lien qu'on peut avoir entre le tourisme, la culture et le divertissement, c'est l'idée quelque part du mouvement, de quelqu'un qui se déplace, qui va voir un spectacle, qui va voir un show, qui va voir une ville ou va voir un parc. Donc, le moment où on dit qu'il ne faut plus se déplacer, c'est l'entièreté de tout cet écosystème-là qui s'écroule. Nous, on a basé toute notre manière de faire les choses en disant que si les gens se déplacent, il y a donc de l'argent qui se déplace. Et donc, si on peut faire de l'argent, il y a donc des projets qui peuvent marcher. Donc, évidemment, tous ceux qui étaient dans ce domaine-là, les acteurs connus, les grands acteurs, des piliers ou alors des nouveaux joueurs entrants comme les startups, ben, ont compris que si on ne peut pas se déplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, oui, dans le premier temps, ça a été un choc, en fait, plutôt comme je crois, comme tout le monde, une incompréhension de ce dans quoi on rentrait. Mais de notre cas, nous, quand on a commencé à se relever, parce qu'on s'est rendu compte que, bon, des acteurs comme Jonathan, une start-up et un incubateur et nos partenaires, on est déjà très numérique. Donc, pour nous, une fois que le premier ministre Legault a dit qu'on ne pouvait plus sortir, bien, on s'est retrouvé en ligne. Et c'est là qu'au fond, qu'on s'est rendu compte que notre mission, la mission du MT Lab, reste toujours la même, c'est à part que le contexte a changé. Et donc, des startups, en fait, nous, notre but, c'est de remontrer de nouveau qu'en tourisme, en culture et le divertissement, il y a encore des opportunités. Donc, d'une certaine manière, comme on dit toujours, dans une crise, il y a des opportunités. Mais nous, on essaie de remontrer en quoi on peut trouver des opportunités dans nos domaines.
Justement, comment vous avez fait en tant qu'incubateur? J'imagine que vous êtes là encore plus que jamais pour accompagner les entrepreneurs, puis autant les entrepreneurs incubés que les alumni, parce que je sais que vous restez très proche des anciens aussi. Comment vous y êtes pris pour rester présent, pour être à l'écoute, pour leur offrir peut-être des conseils, justement, de ce soutien avec ce côté innovation que vous avez très, très fort chez vous? Oui, c'est ça. Notre mission, c'est d'accélérer les opportunités. Accélérer les opportunités pour nos partenaires. Nos partenaires, au fond, nous payent pour mutualiser des services, pour aller retrouver des opportunités dans le domaine très précis des startups. Les startups, on propose en général des solutions, des petites solutions en général, des fois aussi des grosses, mais quand même, celles qui débutent, celles qui ont des opportunités. Donc, nous, on s'est dit que notre rôle à nous, reste le même, c'est-à-dire d'être un marché entre des partenaires à la recherche de solutions et des solutions à la recherche de besoins. Et donc, on a retrouvé en ligne, on s'est dit, on a juste à aller à s'adapter à retrouver en ligne cette communauté de start-up pour pouvoir la garder au chaud et la tenir au courant, pour lui dire toujours où sont les opportunités. Parce que notre but, nous, c'est pas de faire rentrer de force dans un domaine s'il n'y a pas d'opportunités, c'est de montrer qu'il y a des opportunités. Et pour ça, c'est de retrouver le marché en ligne, donc de retrouver nos partenaires pour qu'ils viennent parler à travers nous. Dans notre cas, on prend la plateforme Zoom, on va sur Zoom et on discute deux fois par semaine pendant une heure avec un partenaire qui nous explique où est-ce qu'il est rendu, vers quoi il s'en va, dans le but de synchroniser un peu nos visions et nos agendas, dans le but de savoir par étape qu'est-ce qui va se passer. Donc, notre but encore là est de rapprocher les grandes entreprises et les petites entreprises. Est-ce que, justement, tu pourrais peut-être nous présenter un peu plus les enjeux de ces partenaires-là? Tout le monde ne connaît pas forcément les partenaires du MT Lab. On a la CEPAC, on a l'ITHQ, on a l'aéroport de Montréal, l'Air Canada. Est-ce que, justement, tu pourrais peut-être nous présenter un peu les enjeux, même avec le souci de confidentialité, mais juste qu'on voit aussi le côté, genre, grande entreprise? Parce que, oui, vous êtes là pour accompagner les startups, mais comme tu le dis, vous êtes surtout là pour créer du maillage entre ces grands acteurs-là et des plus petites structures qui ont justement des innovations à proposer. Donc, quels sont leurs enjeux à ces partenaires aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est quand même bon de préciser qui sont nos partenaires, parce qu'au fond, des fois, le mot partenaire peut avoir plusieurs sens selon les incubateurs. Dans notre cas, c'est des partenaires qui, effectivement, s'investissent beaucoup en temps et en énergie pour pouvoir aller chercher. Au fond, on est un petit peu, ils ont mutualisé avec nous le côté recherche et développement pour trouver des solutions qui sont portées par des porteurs d'innovation auxquels ils n'auraient pas nécessairement pensé. Donc, je vais vous dire un peu quel genre de solutions qui sont amenées, mais je vais quand même commencer par ta question, qui est quels sont les besoins que les partenaires recherchent. Donc, dans un premier temps, au fond, revenons juste un tout petit peu avant la crise. Là où on se situait, c'est-à-dire les grands partenaires sont capables à l'interne de faire leur propre recherche et développement. Ils sont capables aussi de faire leur propre appel d'offres. C'est des grands joueurs, donc ils sont à peu près capables de faire ça. Sauf que quand on fait la recherche et le développement, c'est assez long et coûteux. Et quand on fait l'appel d'offres, en général, tu sais ce que tu veux. On ne peut pas dire nécessairement que c'est de l'innovation parce que quand tu as bien décrit ton appel d'offres, il n'y a plus vraiment de surprise. Nous, on se trouve donc entre les deux, là où il y a une certaine surprise qui permet aux partenaires de dire « Wow, je n'avais pas nécessairement pensé à ça ». Donc là, évidemment, avec la crise de la COVID, les partenaires se sont peut-être, mettons, regroupés en deux types de réactions. On a des partenaires donc de type privé, Air Canada, Transat, mais aussi des partenaires de type Société d'État, le Musée de la civilisation, la CEPAC. On a des joueurs associatifs comme Tourisme Montréal ou l'Alliance touristique. Donc, on voit que ces grands joueurs-là, normalement, vont réagir aussi différemment à la crise. Certaines, surtout les sociétés d'État, eux, quelque part, par leur force, par qui ils sont, comme je prends l'exemple du Palais des congrès de Montréal, ben, son rôle, c'est d'accueillir des congrès. Ils ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Donc, on sait qu'eux vont continuer à vivre, qu'importe ce qui va se passer. Leur rôle, c'est d'accueillir ces touristes-là. Donc, on a des partenaires de ce genre-là qui sont en train déjà en ce moment de préparer l'avenir en disant, il y aura une suite. Donc, je suis en train de préparer leur retour. Donc, ils sont en train de remonter leurs besoins du genre, je vais rencontrer des clients éventuellement, des clients externes qui vont vouloir faire des salons chez nous. Comment on peut les attirer? Comment des innovations, par exemple au Palais des congrès de Montréal, peut attirer un client, un salon qui irait plutôt à Montréal plutôt qu'à Boston ou à San Francisco? Et donc, ces innovations-là, le palais a besoin de les connaître pour pouvoir les présenter. Donc, on a ce type de besoins-là qui émergent. On a des besoins aussi, encore là, de sociétés d'État qui, eux, savent qu'ils vont continuer, comme par exemple la CEPAC, qui, eux, le voient sous la forme d'une opportunité en disant, ils sont toujours en train de courir, ils sont toujours en train de travailler, puis tout d'un coup, paf, il faut qu'ils s'arrêtent.
Et là, enfin, il s'arrête à un moment très précis dans le monde du tourisme. Ça fait vraiment mal, c'est-à-dire au mois de mars où on prépare l'été. Et là, tout d'un coup, ils ont comme 2 mois pour pouvoir genre dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'activité, tout s'arrête. Mais ils se sont mis à dire, mais oui, mais alors nos problèmes qu'on a vont revenir, par exemple. L'accueil dans les parcs, les fameuses guérites, ils savent que c'est un problème parce que les gens attendent en file pour rentrer dans les parcs à cause de la guérite. Et comment on peut simplifier l'accès, comment on peut simplifier la transaction. Donc là, enfin, ils ont le temps de dire, bon, là, je peux réfléchir, là, je suis capable de faire un appel très précis à l'expérimentation si vous avez des solutions qui permettraient de pouvoir faire des transactions assez fluides pour que ça ne crée pas d'embouteillage, soit à une borne, soit à une guérite, ça les intéresse. Donc, on voit bien que, quelque part, même dans une crise, dans le cas de société d'État, ils sont capables de pouvoir dire, OK, pensons à l'avenir. Les compagnies qui sont plus touchées sont plus privées, par exemple, les transports aériens. Eux, évidemment, ils sont encore sur le choc en ce moment, donc ils ont des problèmes à très court terme à régler. Mais même ces problèmes-là à court terme, ça reste des opportunités. Si je dois, par exemple, planifier le retour des routes. Ben, ces routes-là, on sait qu'elles vont ouvrir. Lesquelles qui vont ouvrir? Et si j'ai un outil à partir des bases de données du passé, avec les signaux faibles qu'on retrouve sur les réseaux, de pouvoir identifier, par exemple, que tel salon à tel endroit, South by Southwest, par exemple, à Austin, au Texas, va revenir l'année prochaine, à quel moment qu'ils vont l'annoncer, de quelle manière qu'on peut l'anticiper. Et donc, on peut de savoir 2 à 4 mois d'avance. Et donc, à travers des outils, donc à travers des innovations, ils sont capables de pouvoir dire, je veux une solution qui, avec ces datas-là, vont m'aider à prévoir quelle route que je dois ouvrir de manière prioritaire. Donc, on voit bien que, qu'importe comment ils ont été touchés, ils ont quand même des besoins d'innovation et c'est à nous, notre rôle, de les retrouver et de présenter ça aux bonnes startups, soit qu'elles ont la solution, soit qu'elles adaptent déjà une compétence ou une solution qu'elles ont, elles l'adaptent aux besoins qui maintenant viennent d'émerger. Et c'est là, en fait, où j'aimerais peut-être qu'on creuse un peu plus. En effet, le fait de voir que ces grands partenaires ont, eux aussi, pour le coup, maintenant, des opportunités face à cette crise ou le temps de pouvoir répondre à certains enjeux auxquels ils n'ont jamais vraiment eu le temps de réfléchir. Comment vous accompagnez les startups pour ces défis-là? Parce qu'on a le défi de la crise actuelle avec le défi de se dire, OK, là, dans cet état d'urgence-là, il y a quand même des grands acteurs qui ont une opportunité d'action avec vous. Donc, comment vous les accompagnez? Quels conseils peut-être tu pourrais partager aux startups at large de comment penser vraiment, genre, oui. Innovation pour aller vers ce pivot-là de cette crise? Nous, ça se donne qu'effectivement, puis je dois reconnaître que si le MT Lab existe, c'est parce qu'il y a un écosystème qui est autour. Et on a l'exemple du cahier, du fameux catalogue d'innovation qu'on a sorti la semaine qui a suivi le confinement, où on a mis nos startups de l'avant en disant voici des solutions qui, si on change un petit peu, soit le libellé, soit qu'on fait un micro-pivot. Sylvain Carl de Founder Flow dit souvent qu'on peut faire des pivots à 45 degrés, c'est-à-dire que ta solution, tu la voyais à tel endroit de telle manière, mais si tu la changes un tout petit peu, tout d'un coup, ça peut répondre à un besoin urgent. Donc, en ouvrant, nous, ce catalogue-là, on a vu que quelques startups, en fait, suffisamment de startups pour remplir un catalogue, ont accepté. Puis on a vu ce succès-là aussi, que d'autres startups de d'autres incubateurs pouvaient rentrer là-dedans. Et à chaque fois que les incubateurs nous proposaient des startups qui étaient pertinentes pour rentrer dans notre catalogue de solutions immédiates, on avait toujours le même mot en disant, il faut premièrement, en fait, partir d'une compétence que vous avez. C'est-à-dire que souvent, c'est pas la chance pour tout le monde, mais souvent, on peut voir que la compétence qu'on a, surtout quand on a des services, quand on a un produit, c'est un peu plus différent, mais même à ça, vous allez voir, j'ai un exemple de produit qui a pu se faire le pivot à 45 degrés. Donc, c'est de dire... Parlez-en pas trop, parce que je pense savoir lequel c'est et pour lui parler bientôt. Bon, OK, ben alors, je vais vous laisser faire l'interview, mais c'est comme, dans tous les cas, c'est de comprendre, quelles sont vos compétences, de découper vos compétences. Donc, ça, c'est pas nécessairement facile parce qu'on a travaillé très fort pour arriver à un produit, à un service, de le redécomposer en petits morceaux. Mais on le fait en fonction des besoins qu'on voit soit émerger, qu'on ressent. Je pense que l'entrepreneur, le porteur d'idées, souvent a une intuition. Mais pour ça, nous, pour la citer, nous, c'est... On fait ce qu'on appelle des pitch inversés. Donc, on commence, nous, à faire nos tests à l'interne. On va commencer à l'ouvrir aussi à l'ensemble de l'écosystème. Mais pour commencer, on commence avec nos startups pour valider la méthode. Mais ces pitch inversés,
qu'on fait en ligne permet de faire remonter des besoins et donc d'écouter à travers les besoins. Donc, c'est les genres de besoins qui vont exprimer, c'est de trois ordres en général. On a vu émerger comme des besoins très précis, un peu comme on parlait de tout à l'heure de la CEPAC pour les parcs. Ben, j'ai un problème à mes guérites. Comment je fais comment ça se traduit pour avoir une solution qui permet de simplifier l'accès? Ben, ça, c'est quelque part, c'est de la transaction. C'est donne-moi une proposition qui s'adapte bien. Je vais faire un petit test à petite échelle sur un parc et on va l'agrandir. Ça, je pense que c'est un type d'appel. Donc, d'écouter au fond qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire puis de peut-être dire que dans votre solution, vous avez peut-être une solution pour, je sais pas, les hôpitaux, mais la portion transactionnelle qui est peut-être mobile, tout d'un coup, vous vous dites, mais cette portion-là, je pourrais la transformer et l'envoyer dans un parc et ça pourrait fonctionner comme il faut. On a aussi des solutions du genre, on prenait l'exemple du palais tout à l'heure, j'ai des clients qui vont venir, qui vont vouloir venir à Montréal pour faire un salon ou des conférences. Et donc, on va travailler ensemble. Pouvez-vous me proposer des idées en sachant que j'ai à peu près ceci qui s'en vient? Et si vous avez une idée de à quoi ça ressemble la distanciation sociale dans 6 mois, nous, on a une start-up qui a commencé à dire, mais moi, je faisais des shows multimédia, mais j'ai des lasers. Et avec les lasers et des détecteurs de mouvement, je suis capable de pouvoir voir la distance entre les gens et de pouvoir peut-être jouer avec ça. Donc, du coup, ils sont en train de réfléchir. Et si on le proposait à un client? Et le troisième type de besoin auquel il faut être, à mon avis, c'est ce qu'on dit à nos porteurs de projet, d'être ouvert à un partenaire qui dirait j'ai pas encore la réponse, je sais pas trop, mais l'avenir ressemble à quoi? J'aimerais ça pouvoir réfléchir. Par exemple, réfléchir sur c'est quoi la sécurité, le côté sanitaire, la sécurité, quels seraient les besoins en sécurité et au niveau sanitaire. Et on peut imaginer que quelqu'un qui aurait développé quelque chose dans ce domaine-là pourrait dire, mais OK, je mets sur pause mon produit. Et je vais devenir, le temps de la crise, un consultant et de participer, mettons, à ces ateliers-là. Et on espère, nous, dans ces trois types de besoins, donc le type un peu transactionnel, le type co-construction de solutions et le type, mettons, consultation, de pouvoir faire de l'argent et donc de pouvoir traverser la crise. Parce que derrière tout ça, nous, dans notre cas, c'est notre croyance, c'est en prouvant que sa solution a une vraie adéquation avec le marché, qu'on vient de prouver qu'à la fois qu'on a un peu d'argent et à la fois que ça vaut la peine de poursuivre. Parce que ce qui s'en vient, c'est quand même pas nécessairement facile. Et si on poursuit en disant qu'on sait pas vers quoi on s'en va sans savoir si ta solution fonctionne, ça peut être désespérant. Si en cours de route, tu as un petit peu d'argent et tu vois que tu vas dans la bonne direction, c'est très encourageant. Ce qui permet aussi de pouvoir asseoir le côté crédibilité des start-upers, dans le sens où ton dernier exemple me fait beaucoup penser peut-être au modèle d'affaires des cabinets qui ont développé justement ce côté expérience-là du secteur des toilettes dans les événements. Aujourd'hui, on n'a pas d'événements. Donc, le côté justement expertise peut-être du milieu sanitaire, sécuritaire, safe pour la suite des choses, permet aussi d'asseoir peut-être leur crédibilité, leur statut d'expert d'un certain domaine spécifique face aux partenaires qui peut-être au début peuvent des fois se poser des questions. Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment à la hauteur? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on voit justement, le fait de pouvoir pivoter comme ça? Est-ce que ça vient ancrer un peu plus l'aspect crédibilité des entrepreneurs? D'une certaine manière, on prenait l'exemple des cabinets qui sont au MT Lab. Effectivement, c'est une solution, eux, où ils vont upgrader une salle de toilette pour avoir une expérience dans le but à avoir la crise, de pouvoir proposer de dire que c'est un endroit en général négligé dans un salon ou dans un événement. Et tout d'un coup, on peut en faire un endroit où on peut exposer une marque parce qu'on a monté le niveau de la salle de bain avec du service et tout ça. Et ça marchait super bien avant. Aujourd'hui, à mon avis, cette crédibilité-là qu'ils ont eue avant fait en sorte que quand ils vont proposer leur solution, de dire, ben, j'ai une expertise en salubrité et je serai capable d'amener un certain standard, ils ont déjà la crédibilité avant. Et ça, c'est donné au fait, peut-être parce qu'on a un écosystème très riche à Montréal, et peut-être MT Lab aussi a une crédibilité, et aussi ils ont prouvé leur crédibilité dans le cadre de l'incubation d'un programme d'un an qu'on a chez nous, et qui fait qu'ils vont être capables, à mon avis, de répondre rapidement à une demande de ce genre-là de participer à des ateliers. Donc, on a effectivement ce genre d'exemple des cabinets. L'exemple tout à l'heure que je donnais avec les lasers, ben c'est quelqu'un qui était, en fait, c'est Automata, encore une start-up de chez nous, qui était vraiment reconnue. Déjà, elle faisait
des shows multimédia à travers le monde. Et donc, elle avait déjà sa crédibilité avant. D'une certaine manière, c'est jamais évident de partir sa crédibilité dans le cadre d'une crise de ce genre-là. Il faudrait l'avoir prouvé avant. C'est pour ça que je pense que nous, on se trouve au bon moment, enfin, au bon endroit dans le chemin d'une start-up, c'est qu'il y a eu quand même des tests qui ont été faits sur le marché qui prouvaient qu'au fond, que la solution était, ou la compétence était déjà, avait déjà une bonne adéquation avec le marché, ce qui fait que ça devient crédible si tu réponds à un appel à solution comme on pense pouvoir faire et qu'on a déjà commencé à faire. Moi, pour le coup, ça m'amène à une autre question. On parle du catalogue, justement, de solutions qui sont déjà prêtes pour répondre à des besoins concrets. J'aurais peut-être deux sous-questions par rapport à ce catalogue-là. La première, ça serait comment les startups ont réagi, justement, de devoir, entre guillemets, innover, parce que je vous connais quand même relativement de près et je sais que vous êtes très derrière les entrepreneurs pour pouvoir les accompagner, les conseiller, les pousser à toujours aller plus loin. Comment les entreprises ont réagi face à cet appel-là, dans le sens où, OK, bon, là, on a la crise, on l'assimile, maintenant, notre secteur est durement touché et là, notre incubateur qui est là, normalement, pour nous donner, nous orienter vers les bonnes directions le plus possible, nous demande de peut-être voir comment on serait capable de tweaker ou de pivoter à 45 degrés ou whatever. Comment ils ont réagi à ça? Je sais qu'il y a des entreprises qui ont bien réagi à ça. On les voit passer dans la presse, que ce soit justement Prologue AI, My Smart Journey, Audrey, elles sont déjà vues. Donc, comment ceux, on va dire, que moi, je ne connais pas et qu'on ne va pas interviewer à Printemps numérique, comment les entreprises, globalement, ont réagi? Il faut que, en fait, que dans notre cas, nous, on est toujours très proche de notre communauté, de notre famille, parce que dans notre cas, c'est peut-être au fond, dans notre ADN, le monde du tourisme est déjà tricoté serré. Et donc, au fond, nous, de faire rentrer du monde dans le domaine du tourisme, de la culture, ça demandait d'être proche et de pouvoir les faire rentrer par des liens de confiance. Donc, le lien de confiance était déjà construit. Mais en même temps, on leur a toujours montré depuis le début, on leur a toujours dit que c'est un travail qui se fait sous la forme de... Il y a des opportunités qui passent, puis nous, on va vous offrir un terrain de jeu où il y aura ces opportunités-là qu'on va identifier avec vous en disant, on pense que la balle qui est là, tu devrais l'attraper. Et ça se fait à deux un peu, parce que quand on a dit aux startups, voici des opportunités, et nous, on va vous offrir un véhicule qui va s'appeler le catalogue des solutions immédiates, ça marchait à deux dans le sens que nous, un catalogue, vous trouvez l'idée, ça sert à rien si j'ai pas des startups avec des super solutions comme celle de Jonathan Rouxel que vous avez interviewé, ou celle de Audrey, dont tu parlais de stimulation déjà vue. C'est qu'il faut qu'eux aussi disent, OK, ça vaut la peine que je pense à une idée parce que j'ai un véhicule qui va pouvoir me le promouvoir. Dans le sens que, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça qu'on dit toujours chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'on ne ferait pas tout seul? Toutes ces solutions-là pourraient être faites tout seul dans leur coin, mais on va se retrouver avec 150 solutions qui sont toutes aussi bonnes, mais ça fait 150 lieux à aller. Si on peut se retrouver à un seul endroit, comme dans un catalogue de solutions immédiates qui marche le temps de la crise, puis que nous, on va convertir en solutions de la relance éventuellement, dès que ça va être parti d'ici une semaine ou deux, on sait que quelque part, ensemble, on fait quelque chose qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Mais en même temps, c'est le succès de ces startups-là qui fait que le catalogue a une valeur et c'est le succès du catalogue qui fait que leurs solutions sont aussi vues. Donc, c'est un travail d'équipe. Dans notre cas, nous, on a cette chance-là d'avoir cette communauté assez proche. On a vraiment cru dès le départ, la manière qu'on a construit l'MT Lab, c'était basé sur cette communauté-là. Donc, on le voit aujourd'hui à l'œuvre. Et c'est dans ce sens-là que nous, on considère que l'MT Lab continue sa mission qui est d'accélérer les opportunités entre les grandes entreprises et les petites entreprises et que c'est juste, au fond, le contexte, un contexte difficile, mais un nouveau contexte dans lequel on continue notre mission. Et comment les autres acteurs, justement, de la communauté, parce que vous avez été à l'initiative du catalogue, mais vous avez fait appel aussi à d'autres acteurs. On voit, justement, des startups qui sont à la piscine, qui sont... chez vous. Comment les autres, justement, acteurs de la communauté ont réagi? Est-ce que, déjà, il y a des solutions immédiates? Il y a des entreprises qui continuent de rentrer encore? Est-ce que vous avez plafonné le nombre d'entreprises? On n'est pas assez de 10 à 50, puis au niveau de la station incubateur, on est rendu à
12 incubateurs qui participent. Il faut quand même comprendre qu'encore là, il y a une chaîne. Si nous, on existe, puis là-dessus, je me répète souvent, c'est que si on existe, c'est parce qu'il y a un écosystème qui se trouve autour de nous autres. Ces incubateurs-là sont en train de former ces startups-là à penser la relance, à repenser le modèle d'affaires. Donc aussi, dans leur côté, ils offrent les solutions dans lesquelles ils sont bons. Donc chacun propose ce dans quoi ils sont bons, soit du suivi, soit du coaching. Et nous, c'est l'adéquation au marché qu'on propose. Et dans notre cas, nous, c'est tourisme, culture et divertissement. Et évidemment, on l'a agrandi un petit peu plus dans le cadre du catalogue où on inclut le transport, la santé, le divertissement, parce que quelque part, le catalogue, la crise touche un peu pas mal de domaines. Donc, on l'a agrandi. Mais oui, je pense que chaque incubateur propose sa solution et je suis convaincu que les startups se retrouvent là-dedans. J'aime bien l'idée de la notion de co-incubation. Et il faut effectivement plusieurs, il faut être plusieurs pour élever un enfant et je crois que c'est un peu ça qui se passe. Nous, on s'est juste dit quelle est notre spécialité, dans quoi qu'on peut être bon et on a proposé ça et je crois que l'écosystème a reconnu que pour les startups, pour celles qui sont capables, pour celles qui comprennent que, parce qu'il y a plusieurs manières de voir le développement, ceux qui disent, moi, mon développement passe par des contrats ou passe par au moins une visibilité pour avoir des contrats, ben notre catalogue est la solution. Puis pour d'autres, c'est la recherche et le développement, c'est refaire leur produit. Chacun a un peu sa technique. Dans notre cas, à nous, c'est de dire, moi, je crois beaucoup, en tout cas, à dire que, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Et la preuve, c'est quand tu vois un contrat arriver ou en tout cas un intérêt de ta solution, c'est là que tu dis, ça vaut la peine que je continue à travailler dans mon sous-sol confiné. Mais surtout qu'on voit, on ne va pas tant rentrer dans le détail parce que effectivement je vais avoir Isabelle la semaine prochaine, mais des entreprises qui sont passées donc du B2B ou même B2G, parce que souvent c'est des entreprises d'État slash gouvernementales, à du B2C justement pour répondre à cette crise actuelle. Comment ce mindset-là se fait? Je pense notamment à Isabelle Lopez, je pense aussi à Benjamin qui propose normalement de la livraison traiteur en entreprise, mais là, qui s'est reviré davantage pour les employés qui travaillent de la maison. Comment, est-ce que ça, c'est un exemple de mindset qui peut fonctionner? Est-ce qu'il y a d'autres types, justement, de règles, de pivots qu'on pourrait appliquer de cette manière-là? C'est tout que j'aime bien la métaphore du pivot à 45 degrés, dans le sens que ce n'est pas un changement total. Même peut-être le mot pivot n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est de comprendre en décortiquant, en disant, on prend le food relay, donc cette solution de pouvoir livrer des produits, en fait, un repas à une entreprise privée. Dans leur cas, eux, c'était de livrer à une même adresse 15, 10, 20, 30 repas. Qui, quand le marché s'est écroulé, ils ont dit, au fond, en quoi on est bon? Bien, on livre, mais peut-être qu'on pourrait livrer dans un centre de retraite, par exemple. On peut livrer aussi à des gens. Si, évidemment, les gens s'abonnent sur 5 jours au lieu d'être une seule journée, bien, j'ai mon même ratio. Et donc, au fond, on a peut-être coûter un peu plus cher en livraison, mais j'ai cette expertise-là. Donc, Benjamin a pensé à dire, ben, je passe de B2B à B2C. Isabelle, c'est la même chose. Elle a fait des solutions de parcours à travers une puce NFC ou à travers des codes QR pour permettre de pouvoir découvrir un lieu. Et elle s'est convertie en disant, mais je fais ça maintenant pour une famille, pour faire un jeu pour une famille qui doit occuper ses enfants. Au fond, c'est une expertise qu'elle a déjà, un certain parcours, un certain jeu avec de la technologie qui peut s'appliquer aussi à une famille confinée. On a aussi Audrey de Déjà Vu qui, elle, offre des expériences olfactives de destination. Elle est capable de pouvoir faire une expérience qui te rappelle, par exemple, les églises de Montréal. Elle a fait des odeurs de Montréal, elle a fait des odeurs de Shawinigan et elle est en train d'en faire aussi pour la France. Mais c'est des expériences grandeur nature. Elle s'est dit, mais c'est quoi mon expérience? C'est quoi mon expertise? Mais c'est de pouvoir créer une expérience olfactive. Et si je suis confiné, de quoi j'ai besoin? Dans son cas, elle s'est dit, mais si je faisais un produit dérivé d'un vaporisateur 3-en-1 et c'est à la fois, je peux vaporiser dans les airs, sur une surface ou dans mes mains. En fait, c'est avec la formule de Purell, finalement. Mais en mettant des odeurs qui me fait voyager, qui me rappelle la nature, qui me rappelle un parc. Bien, tout d'un coup, je viens de changer avec un petit changement. Je viens de faire un B2B à B2C. Et dans son cas, elle, ça marche super depuis lundi. Je pense qu'elle a comme genre pour 500 flacons qui sortent par jour demandés par des consommateurs, ce qui n'était pas sur le marché naturel. Donc, c'est de comprendre effectivement, de dire en décortiquant sa solution ou son offre, de dire en quoi, c'est quoi mon expertise, c'est quoi ma qualité et qu'est-ce que je pourrais tourner un tout petit peu sans trop changer,
Donc, ce serait un produit dérivé, ou des fois carrément changer en disant que si le monde a changé, peut-être que je devrais changer ma solution. C'est un peu plus difficile, mais je crois qu'il faut avoir cette souplesse d'esprit de comprendre au fond qu'une startup avec qu'un porteur de solution est toujours à l'écoute des besoins qui existent sur un marché. Et c'est à ce moment-là que tu comprends qu'il y a de l'avenir à faire quelque chose. Donc, c'est de rester ouvert par rapport à ça. Et comme on dit souvent, de ne pas tomber amoureux de son produit, mais bien de son client. Moi, ça m'amène à la dernière question aujourd'hui. J'aime bien terminer en général sur une note un peu plus positive. J'aurais envie de te poser la question, Martin Le Sahar, selon toi, de quoi demain sera fait, que ça soit pour le milieu des entreprises, pour l'économie, pour le secteur du tourisme peut-être. Comment tu vois ça? Je sais que l'agence touristique commence déjà beaucoup à réfléchir sur le après, sur la relance, Tourisme Montréal aussi. Qu'est-ce qui s'en vient? Quels sont les ressentis et comment justement peut-être les entreprises peuvent garder en tête le fait qu'il va y avoir un après, puis peut-être qu'il faut déjà commencer à le préparer aussi? C'est dur, ça. Je pense avoir une boule de cristal, savoir qu'est-ce qui s'en vient, mais je peux vous dire au fond que dans notre domaine, je vais parler au moins de notre domaine, puis on peut l'étendre à d'autres domaines, mais je crois que ça marcherait aussi pour les autres domaines. Dans tourisme, culture et divertissement, c'est basé sur une certaine motivation que je trouve fondamentale, c'est-à-dire le besoin de se retrouver, de se divertir à travers des événements culturels, à travers une culture. Et qu'est-ce que c'est la culture? C'est la rencontre des gens. Ben pour les rencontrer, il faut se déplacer. Donc, le tourisme va revenir. Le tourisme va peut-être revenir d'une manière, peut-être le mot tourisme n'est peut-être pas bon encore, mais par l'hyperlocal, faire retrouver le marchand du quartier, par exemple, ensuite du quartier suivant, ensuite du reste de ta ville, ensuite de l'autre région. Et je crois que c'est comme ça que ça va remonter très rapidement, puisque je crois que fondamentalement, quand on va sortir de notre confinement, même si le monde va changer, même si on dit qu'il faut qu'il change, il y a des choses qui vont rester constantes, c'est qu'on va vouloir se rencontrer, on va vouloir se divertir, on va vouloir avoir de la culture. Donc, dans ce sens-là, c'est d'être proche et à l'écoute de dire ce qui va se rebâtir sur quoi? Dans les autres domaines, en santé ou en transport, ça va se rebâtir aussi différemment. On va toujours vouloir bouger. On aura toujours besoin de sécurité ou de santé. Ça va peut-être être construit différemment, mais d'être à l'écoute de comment ça va se rebâtir. Parce que la relève, ce mouvement où on va se relever, c'est assuré. Moi, j'y crois beaucoup. Est-ce que ça va prendre 3 mois ou 2 ans? Mais dans tous les cas, il y aura des marches, puis à chaque marche, il y aura d'autres opportunités. Donc, il y a toujours des opportunités à saisir. Il faut rester prêt. Il faut être un peu court terme. C'est un petit peu dur quand c'est court terme. Mais je crois que si on monte les marches, on voit les opportunités. Ceux qui sont capables de pouvoir le faire, ce n'est pas donné à tout le monde, effectivement. Il y a des contraintes matérielles et financières. Mais je crois que ça va offrir beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir petit peu à petit peu. Mais c'est sûr qu'elles vont s'ouvrir. Mais écoute, merci beaucoup Martin pour cet échange que je vais essayer de résumer avec toujours une vibe assez positive où il faut saisir les opportunités, faut toujours justement décortiquer sa solution, partir d'une compétence qu'on possède déjà et pivoter entre guillemets à 45 degrés ou autre de manière à ce qu'on puisse voir comment on peut ajuster les choses pour pouvoir continuer de rester actif, présent pour nos clients, peut-être même changer de cible de client et que en termes de, même en période de crise, l'innovation reste toujours là et qu'il y a toujours des opportunités qui passent et qu'on peut essayer de saisir le plus possible à court terme. Écoute, Martin, merci encore pour ce partage. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Intersection X n'est pas fini. Printemps Numérique reste là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous reviendrons la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, la technologie au service des familles et des enfants pendant le COVID-19. Au programme, cette fois, on aura des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain, 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Isabelle Lopez, CEO de My Smart Journey, dont on a déjà un petit peu parlé aujourd'hui. My Smart Journey est une entreprise qui peut générer une expérience interactive n'importe où en quelques minutes, et ce, même chez vous. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, avis et suggestions. Prenez soin de vous, profitez du soleil, c'est très important pour le moral. Je vous retrouve mardi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, bye bye, merci encore Martin, et prenez soin de vous. Bye.